J'ai maîtrisé tout jusqu'à la fin. Et la fin, c'était à 2h du matin. C'était à 2h du matin, c'était très bien. Oh là là! Oh là là! Bah, les femmes de l'heure. C'est depuis le 237. La seule Camerounaise qui challenge au Cameroun avec le sourire tous les jours. Avec un mari chef d'entreprise en Suisse. La seule Camerounaise, c'est moi. C'est 137. Là, il fait 32. Ça fait 32 degrés là. 32 degrés. C'est Madame Chapuis. Alors, après mon sport aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée, j'ai fait un soin de corps et après le soin de corps, j'ai mangé. Après, nous sommes allés, j'ai accompagné Loïc et sa fiancée établir l'acte de naissance de l'enfant. Donc, Elise Ouane est sortie aujourd'hui. C'était pour aller établir son tout premier diplôme. Bonjour, bonjour, tu as reçu sûrement beaucoup de cadeaux. Oui, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Monsieur Chapu m'a fait parvenir une montre Cartier. J'ai reçu ça hier matin, une montre Cartier. On me l'a livré, DHL m'a livré. Et j'ai reçu beaucoup de fleurs. J'ai reçu les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux. J'ai reçu deux chèques. J'ai encore reçu quoi? J'ai reçu deux gâteaux. À mon anniversaire, finalement, j'avais les deux gâteaux étaient offerts. J'ai encore reçu quoi? Ma soeur m'a offert de la lingerie fine. Ma cousine, elle m'a offert de la lingerie fine. Très, très jolie. Pas, attends un peu, il y a le filtre, attendez, il y a un filtre, ah bon, et puis ça va, j'ai enlevé le filtre, si ça va, dites-moi les princes et princesses, vous savez que vous êtes mes gens, non? Suzy, ça va? J'ai enlevé. Un pygmée de Yoko. Ok, si ça va. J'ai enlevé le filtre en tout cas. Donc, oui, j'ai reçu les cadeaux. Et voilà, merci Jennifer. Vous savez, à notre âge, quand vous faites des anniversaires, quand vous faites des fêtes chez vous, surtout ici, c'est plutôt des dîners de contact parce qu'il y avait au moins que 4 personnes qui sont en mission, qui sont de passage au Cameroun. Quand vous faites des dîners comme ça, c'est plutôt des dîners d'affaires, hein. C'est pas genre cadeau d'anniversaire et tout. En plus, je leur avais même pas dit que c'était mon anniversaire parce que ce dîner était déjà prévu. Le dîner était prévu. Honnêtement, c'était prévu, mais c'était vraiment pas quelque chose que j'avais prévu pour mon anniversaire. Merci Laure, 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 merci. Bonjour cours circuit. Merci beaucoup Mélanie. Donc, c'est pas un dîner. Et en plus, je leur avais même pas dit parce que c'est déjà des gens qui devaient arriver, qui devaient rencontrer plein de gens ici au Cameroun et tout. Quand je vois la folle là qui est en train de développer la folie, dit que oui, elle dit qu'elle est de la famille de tel et tout et tout. Bref, on laisse ça tomber. Mais ce n'était vraiment pas un dîner d'anniversaire, mais j'ai profité pour marquer le coup. Et jusqu'à ce que ma fille et mon fils, en France, ils m'ont fait vous savez, les jeunes qui annoncent les anniversaires là, Happy Birthday avec la flûte et tout. J'ai eu ça hier.
Mais c'était une surprise incroyable. C'était une surprise incroyable. C'était magique. Donc moi, j'ai préféré... Bon. Je vais vous faire voir les images. Je vais vous montrer les images, comment ça s'est passé. Mais parce que j'ai enlevé les images que je ne voulais pas que ça sorte sur la toile. Mais les images des étrangers et tout, j'ai laissé tout ça. Et dis à Salem, elle est déjà montée. Ah, dis-lui, elle est en train de manger quelque chose. Ok, ben dis-lui de m'envoyer les images de... Les images de... De la fête, de l'anniversaire. Les gens qui sont venus chanter là. Elle ne m'a pas encore donné. Donc mes enfants m'ont organisé ça depuis l'Europe. Et ils m'ont fait vivre un moment inoubliable. Jamais. J'ai pas de droit de musique sur les musiques jouées. Donc ça s'est super bien passé. On a discuté des choses très très importantes. Des choses très importantes. Les choses, les vraies choses. On a conclu des choses. Parce que imaginez, de 19h à 2h du matin, hein, on a descendu le château de Giscourt, on a descendu le rouge du Valais, on a descendu le Runa, on a descendu, il y avait du Chivas, du Martini, du Baylès, le château de Giscourt, il y a un chef supérieur, lui qui était là aussi. Qui a un grand poste ici, mais il est patriarche, il est un jeune qui est chef, il est chef supérieur, c'est un patriarche. Ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. C'était des personnes qui étaient à leur place et moi aussi j'étais à ma place. Vraiment, vraiment, voilà, c'est vrai, c'est vraiment, c'est vrai que quand vous vivez ça. Et que vous voyez qu'il y a des personnes qui n'ont pas de la chance de vivre la même chose, qui se rabattent dans la bêtise, dans ce que vous voyez sur la toile, vous vous dites quand même que ben voilà, qu'est-ce que je fous là quoi. Ben maintenant, on ne peut pas nous empêcher d'aller dans la boue avec les personnes qui se trouvent dans la boue. Tu n'as pas invité la nouvelle copine. Non. Non, non, Nadine, non. Elle n'est pas ma... Marthe n'est pas ma nouvelle copine. Marthe c'est une personne avec qui on a sympathisé, on a assaini notre relation, on a enterré la hache de guerre qui n'avait aucun sens, comme elle et moi, on se disait hier. On a dit, ben tiens, en fait, pourquoi on se clashait? Après, elle aussi me demande, mais pourquoi on se clashait? Parce que on ne s'est jamais vu, on n'a jamais rien partagé et tout. Mais vous vous rendez quand même compte que c'est une perte de temps, une perte d'énergie et tout. Si, c'est une personne, c'est une personne qui voyage, c'est une personne qui est intégrée et... Voilà, c'est une personne qui est intégrée, c'est une personne qui sait comment prendre la vie, qui sait comment affronter, qui... Vous savez, la plus grande richesse pour un être humain, c'est savoir affronter ses difficultés. Et pour affronter ses difficultés, il faut être fort. Parce que quand tu dois affronter les difficultés, il faut que tu acceptes que pour que tu arrives à faire quelque chose... Il faut que tu acceptes certaines choses, il faut que tu te battes, il faut que tu te rabaisse, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour pouvoir t'en sortir. Et moi, je pense que Marthe est aussi ce genre de personne. Quand tu parles avec elle, ce n'est pas une personne qui a connu les facilités, les choses, qui a eu ces choses facilement. Non,
Genre, si elle a le coussin, c'est qu'elle s'est battue pour avoir le coussin. Moi, j'ai du respect pour ce genre de personnes parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, je connais la difficulté de la vie. Je connais à y arriver sans être aidé. C'est pour ça que même dans la vie courante, quand il faut maintenant se défendre, quand il faut que je mette quelqu'un à sa place, même si ça doit me prendre combien de temps, je ne me fatigue pas. Vu que je ne me fatigue pas pour le travail, donc je ne peux pas me fatiguer pour ça. Et quand tu t'es fabriqué sans avoir des facilités dans la... Quand tu as grandi et tu es devenu quelqu'un sans avoir eu... Parce que à la limite, je me rends compte que je ne serais pas heureux si j'étais un enfant qui était né avec la cuillère en or à la bouche. Ou bien un enfant qui est né et puis on m'a récupéré chez un oncle, chez un cousin de tonton. Et puis que j'ai eu la chance de me laver à l'eau chaude le matin. Alors que logiquement chez moi, je me serais lavé à l'eau froide. Parce qu'il n'y a même pas d'abord le bois pour chauffer de l'eau. Donc du coup... aujourd'hui, parfois, je me dis, j'ai eu la chance d'être orpheline très tôt. Vous vous rendez compte, hein? Parfois, je me dis, j'ai eu la chance, je ne regrette pas souvent d'avoir été orpheline très tôt, parce que ça m'a permis de connaître la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est de se battre, y arriver, et t'asseoir comme ça un jour, te rappeler, ah tiens, un jour, j'ai eu faim. Ah, tiens, un jour, je suis allée chez mon oncle demander ceci. Il ne m'a pas donné. Tu te rappelles de ça. Et ça te permet d'apprécier et de garder jalousement tous tes guides que tu reçois dans ta vie. Écoutez-moi. Écoutez très bien ce que je vous dis. Tous tes guides que tu reçois dans ta vie parce que tu estimes que tu as fait des efforts, ça n'a pas été gratuit. Tu le gardes jalousement et tu ne peux pas accepter que quelqu'un te les détruise. Voilà. Donc, je ne peux pas parler du milliard quand je ne sais même pas où je vais le trouver. Je ne peux pas parler du million quand je ne sais pas, quand je ne me suis pas levé tous les matins, me battre pour pouvoir l'avoir comme ça, là, le compter. Que oui, j'ai cet argent parce que je me suis battu. Et la bague de quel mariage? Pourquoi je devrais enlever la bague de mariage? J'ai toujours les deux bagues. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux encore? Tu veux l'adresse? Ici, il y a 24 pierres de diamant. Et ici, il y en a 72. Tu as dit, si on 24 plus 72, c'est ce qu'une femme comme moi a mérité. 72 pierres. Oui, ça c'est 72 pierres de diamant, ça. C'est du certi de diamant, 72 pierres. Non, jamais. Jamais. Donc de temps en temps, sortons de tout ça et... Laissez les gens, vous savez, quand je me retrouve où je suis là, hein, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Même dans ma vie, tous les jours, je suis très rigoureuse. Je suis quelqu'un de très, très rigoureuse. Parce que ça ne m'a pas fait de cadeau, hein, la vie. Donc, c'est pour ça que je continue encore à beaucoup travailler. Pour que mes enfants ne traversent pas ce que j'ai traversé. C'est pas eux, ils ont de la chance d'avoir leur maman, leur père. Et mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la santé. Parce que je pouvais être comme ça, orpheline, avoir une maladie qui ne me puisse pas me permettre de me battre pour m'en sortir. Ou bien et tout et tout. Et je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup. Voilà, et ma Colette, voilà. C'est ça. Benoît, mon frère d'amour, bonjour. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais voir toutes ces personnes qui m'apprécient. Sichav, tout ça, tout ça. Donc, quand on peut m'insulter, Chinda,
J'aime trop ce mot-là. Quand on me dit tu es Tchinda, j'aime trop ce mot. Parce que être Tchinda, pour moi, c'est être humble. Être Tchinda, c'est être humble. Être Tchinda, ce n'est pas être mendiante. La pire des choses dans la vie, bonjour Alvin. Bon, la pire des choses dans la vie, c'est de vivre sous l'attente de, en espérant que, sur une vision, c'est la pire des choses. Parce que quand ça ne réussit pas, quand ça n'arrive pas, tu es obligé d'affronter la réalité. Et quand tu n'as pas l'humilité d'affronter la réalité, quand tu n'as pas l'humilité, la force d'affronter la réalité, ça veut dire hier, j'avais la facilité d'avoir 10 millions, 20, 30 millions dans mes poches. Aujourd'hui, je n'ai même pas 10 000. Aujourd'hui, il peut me manquer 10 000 francs. Si tu n'as pas le courage, l'humilité et surtout la foi. Hein. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir naturellement comme ça. Il faut que Dieu intervienne. Où tu te dis, bon, maintenant, pour mes enfants, pour la vie que je dois donner à mes enfants, il faut que je retrousse les manches. Si je dois plonger, je plonge. Je dois faire ceci. Mais genre, j'ai été coiffeuse. Hein. Quand ma mère décède, je suis en troisième. En première, quand j'ai eu mon probatoire, j'ai dit que je n'allais plus à l'école parce que j'accouchais et je revenais à l'été à la maison. Et quand je revenais à 15 heures de l'école, je faisais les heures de coiffure. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à déposer les demandes de travail et j'ai été recruté à la commune de Balmayo, hein, à la mairie de Balmayo. Les gens qui me connaissent très bien. Et le jour que j'ai eu mon premier salaire à la commune de Balmayo, mon premier salaire c'était 39 000 francs CFA. 39 000. Et bien voilà, et ma Colette. Le jour que j'ai eu 39 000 comme ça dans mes mains, c'était tellement une fierté, c'était une grosse motivation. J'étais tellement engagée, tellement motivée que le maire a commencé à me donner beaucoup de responsabilités et tout. Parce qu'en ce moment, la même ici, on prend toujours les agents communaux comme des sous-agents et tout et tout. Et c'est comme ça que le maire a décidé, il y avait la formation qui durait une année des bibliothécaires. On a dit qu'il faut former des bibliothécaires dans les mairies. Pour la langue française, il faut former des bibliothécaires. Et c'est moi que le maire avait choisi. Toujours à cause de ma motivation de faire des choses, de me surpasser. C'est comme ça que j'ai été envoyée. Je suis bibliothécaire de formation. J'ai fait la bibliothéconomie et j'ai été installée et le diplôme m'a été offert par le ministre Kontchou Komeni, qui était ministre de la Culture en ce moment-là. Je ne peux pas oublier. Et le jour que je devais, recevoir mon diplôme de bibliothécaire, j'avais même pas une robe normale pour porter. Ce que j'ai fait, j'ai toujours fait avec le cœur. Je me suis toujours donné. Parce que quand vous êtes orphelin, hein, c'est beaucoup. Vous vous dites, vous êtes foutu, hein? Vous êtes foutu quand vous êtes orphelin jeune. Vous êtes foutu. Vous êtes. Voilà, j'ai enlevé le wifi de la maison. Voilà, vous êtes. Comme si vous êtes. En tout cas, quand vous êtes orphelin, vous êtes abandonné à vous-même. La nature vous impose les efforts. La nature vous impose à ne pas être comme tout le monde. La nature vous impose de ne pas avoir les plaisirs de tout le monde. Tu ne peux pas avoir les mêmes plaisirs que ceux qui ont leurs parents, les mêmes plaisirs que ceux qui ont leurs tantes, leurs oncles qui les ont pris en charge. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours mise à fond. À fond, à fond. Et la chance que j'ai, c'est que je n'ai jamais rien fait pour de l'argent. Jamais. Je n'ai jamais rien fait espérant que
Voilà pourquoi aujourd'hui, la brigade des patriotes, le mouvement des patriotes s'est disloqué parce que quand eux, ils sont venus, et je ne savais pas, ils avaient dans la tête que on devait nous financer, on devait nous donner l'argent parce qu'on défend la République, parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. Je n'avais pas compris que c'était. Je n'avais pas compris que c'était l'objectif de beaucoup. Après, les gens ont commencé à s'enlacer. Je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus de motivation et tout. Je suis restée dans le combat toute seule. Et on était resté. Je suis restée avec Amer Kamer jusqu'à ce qu'Amer Kamer ne s'intéresse plus à ça. Aujourd'hui, quand je défends, par exemple, le président Biya, c'est le début, c'est la fondation de notre mouvement. Défendre le président Biya et défendre la République, le respect de la République, c'est un combat que nous avons commencé. Il y avait au moins, on était plus de 500. Quand ils ont vu que il y avait plus d'argent, ils ont commencé à disparaître. Vous comprenez? Et c'est là où j'ai compris. Et aujourd'hui, vous savez que après mon passage, même à la présidence, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que non, tu ne peux pas nous faire croire, tu ne vas pas nous faire croire que tu n'as pas ramené une enveloppe. La qualité là, non, tu as eu l'enveloppe, tu es parmi les gens qui ont eu l'enveloppe, tu as eu l'enveloppe. Mais genre, j'étais scandalisée. J'étais scandalisée. Tellement je voulais que ce mouvement soit fort parce que je voyais en face que le mouvement de la base était très très fort. Et ils cotisaient entre eux, ils cotisaient, ils faisaient des choses et tout. Je voulais que mon mouvement soit comme le mouvement de la base dans le sens contraire, qu'il soit fort. Mais ils ont commencé les motivations, tout ça, tout ça. Moi je ne pouvais pas signer une lettre. Où je devais écrire en tant que coordonnatrice que nous avons besoin de motivation. Il n'y a jamais eu une lettre comme ça à la présidence. Mais il y a eu des membres de mon mouvement qui faisaient des lettres individuelles pour demander ci, pour demander ça et tout. Et la chance que j'avoue aussi, c'est que moi, j'ai toujours fait le choix de challenger au Cameroun parce que j'avais décidé que mes enfants ne feront jamais les écoles publiques. Vous comprenez ça? J'avais dit, merci beaucoup Lyon Chaton, que mes enfants ne feront jamais les écoles publiques en Europe. Ni école publique, ni université publique. Ils vont faire du privé. Et pour le faire, je ne pouvais pas prendre mes enfants qui sont reconnus par mon mari par amour pour prendre toute cette charge, mes gens, et mettre sur sa tête. Et j'ai dit, moi, je suis tellement forte, je ne peux pas me lever pour aller dire que je fais un petit job où je vais avoir 1 500, 2 000 euros par mois. Ça ne va jamais, je n'arriverai jamais à mes rêves. Mes rêves étaient de voir mes enfants dans des grandes écoles. J'ai donc dit à mon mari que moi je vais travailler au Cameroun. On a eu juste le temps que l'aîné ait le bac, que Loïc aussi ait le bac. Il n'y a que la dernière qu'on n'a pas attendu qu'elle ait le bac. C'est comme ça que je commence à travailler au Cameroun. Je commence à travailler au Cameroun. Et c'était pas facile. C'était très très dur, très très difficile. Je pouvais être avec vous comme ça. On me dit que oh, Dorian est déjà tombé, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il faut que je sois en France. Demain, je suis en France. C'était très compliqué, mais j'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire celui de soutenir mon mari par rapport aux études de mes enfants, parce que c'était d'abord mes enfants, avant d'être des enfants reconnus par M. Chapuis. Je n'ai pas voulu être une profiteuse. Coucou, coucou, Bomadanger. Je n'ai jamais voulu être une profiteuse. Jamais.
pour moi, je n'avais pas. Le fait que mon mari ait reconnu mes trois enfants et a fait de héritier, je n'ai pas voulu être une femme profiteuse. Je n'ai pas épousé un blanc. J'ai épousé un mari. Donc, la vie que nous avons aujourd'hui nous a permis de financer vraiment, vraiment les études de nos enfants. Et la chance que j'ai, nous avons eu aussi, c'est que nos enfants nous ont écoutés, nos enfants nous ont suivis, parce que je leur parlais beaucoup, je leur disais beaucoup de choses à chaque fois, à chaque fois. Quand je vois une là, elle dit que mon fils est voyou, alors qu'il va travailler à partir du 1er mars dans la plus grande banque du Cameroun. Je ne donnerai pas le nom, parce qu'elle peut encore organiser des choses et tout. Vous savez, c'est des personnes qui réfléchissent seulement quand il faut faire du mal. La plus grande banque étrangère du Cameroun, c'est là où mon fils va travailler. Et pas parce que c'est le fils de Madame Chapuis, parce qu'il a fait des entretiens, il a été à la hauteur. À partir du 1er mars, il a signé le contrat pour le 1er mars. Alors, quand vous me voyez sur la toile défendre la République, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Si vous remarquez très bien ce qui rend l'autre folle, parce qu'aujourd'hui quand même, Mvoutou est folle parce qu'elle m'a vu être reçue par la Première Dame. C'est là où tout a commencé, c'est là où tout a déclenché. Elle ne connaît pas mon parcours. Elle ne connaît même pas quelle femme est devant elle. Elle ne sait pas qui est Madame Chapuis. Elle se croit forte, elle se croit intelligente. Non, elle n'a rien de tout ça. Moi, je ne peux pas tomber. C'est pourquoi vous me voyez faire du sport. Tout ce que je dois faire, mes gens, pour pouvoir être en santé, je n'hésite pas. Parce que le jour que tu perds ta santé, c'est là où tu as vraiment tout perdu. Vous n'allez jamais me voir tomber. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que là où je suis, là, je suis capable de créer une société de beignets. Les beignets de farine, là. Je crée une société de beignets de farine, beignets haricots bouillis tous les matins et tous les soirs. Je positionne ça dans tous les quartiers à Yaoundé. Je fais des boxes bien, bien, bien. Parce que d'abord, j'ai une passion de décoration. J'ai une forte passion en décoration. Et je suis encore tombée sur un designer en décoration. Vous comprenez? Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas mendier. Je ne peux pas avoir un genre de problème. Les problèmes de vie. Mais genre, si je vois que ce n'est plus bon, je retrousse les manches. Parce que, je n'ai pas appris à utiliser mon corps. Contrairement à ce que ça se disait pour m'en sortir, je n'ai pas appris. C'est pour ça que moi, je vieillis en beauté. C'est-à-dire, déjà, ce n'est même pas des choses à dire. Ouais. Quand je me mets devant la glace en tenue d'Adam et Ève, si on vous dit que j'ai trois enfants majeurs, un petit, vous ne pouvez pas accepter. Parce que je prends beaucoup de temps pour garder soigneusement ce que le Seigneur m'a donné gratuitement, c'est-à-dire mon corps. Vous avez compris? Quand celle-là peut dire qu'elle dort seule, je préfère dormir seule que de dormir avec un homme qui viendra me verser du sperme et ne pas me respecter en fait. L'homme qui ne te respecte pas, c'est l'homme qui s'est rendu compte que tu ne fous rien. L'homme qui t'abandonne, c'est l'homme qui s'est rendu compte que tu ne lui apportes rien. On n'abandonne pas une femme qui crée. On n'abandonne pas une femme qui n'a pas honte. Je vous dis, une société de beignets, si ça m'attrape là maintenant, que je me rends compte que mon petit-fils, je regarde mes gens. Depuis que mon petit-fils est né, j'ai quatre enfants. Pour moi, dans ma tête, j'ai quatre enfants. Je discute les choses avec Loïc.
je discute avec lui. Parce que ça me fait tellement plaisir d'arriver à Carrefour, acheter les couches. Et quand c'est dans mon panier, mon chariot, c'est les couches de mon petit-fils. Et pourtant, il en a encore en réserve, mais ça me fait quelque chose. Donc, quand je vois une personne qui ne me connaît pas, croire que si elle est à la présidence, c'est qu'elle a déjà un chemin, c'est que la première dame est sa copine, c'est qu'elle y va souvent, la manière dont elles se sont parlé, et tout. C'est parce que tu ne me connais pas. C'est parce que tu ne me connais pas. Il y a des choses dans la vie qu'on n'apprend pas à l'école. Vous comprenez avec moi? Il y a des choses dans la vie que ce n'est pas à l'école qu'on apprend. C'est dans la vie qu'on apprend. Vous avez compris? Tu peux me prendre, tu m'amènes devant Macron. C'est Macron. J'ai dit Macron parce que c'est le président français. Quand je sais que quand je suis déjà disposé que je vais rencontrer le président Macron, toi tu sais que je l'amène aussi pour qu'elle aille aussi dire bonjour, ça va lui faire plaisir. Les deux minutes que je suis avec le président Macron, je le captive. Il dit, ben, c'est très intéressant, se voir demain. On va s'occuper du rendez-vous. Quand je sors là, tu crois que c'est bonjour, au revoir. J'ai déjà captivé. Je suis une personne parce que j'ai vécu comme ça depuis mon orphelinat. Toute opportunité ne passe pas. Je suis une femme timide. Parce que d'abord même, je sais parler français. Je suis éloquente, perméable. Je suis perméable, je suis éloquente. Et je sais, que ce soit dans le regard, dans la percussion, dans des choses, que même le docteur dit, dont docteur fois 10, tu n'as pas. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Il y a des choses que tu nais avec. Mm-hmm. Voilà pourquoi, si vous voyez les téléphones de mes enfants, leur profil c'est toujours ma photo. Ma fille alors grave. Une fille qui dit tous les jours à sa mère, maman je te copie, je voudrais être quoi. Je voudrais absolument, je te copie. Elle me le dit tous les jours. Je dis mais non, tu as ta personnalité, tu as ta vie, tu as ci, ça, ça. Mais maman, mes gens, comment j'ai pu faire pour faire accepter à mon mari qu'on peut prendre quelques années à être comme nous sommes là et pouvoir finir une belle vie et offrir aussi un avenir garanti à nos enfants. C'est des sacrifices. Hein? Vous croyez que ça ne me fait pas plaisir d'être couché aussi au canapé, Monsieur Chapi me sert au lit, hein? Je ne fais pas de plantes, je ne fais pas des courses, je ne fais pas ceci, je fais la liste, il part, il finit le travail, il appelle, est-ce que tu fais à manger, est-ce qu'on mange dehors et tout. Vous voyez que la vie là ne me plaît pas, je suis princesse, la princesse de mon mari. Mais moi j'aime pas ça, j'aime pas ce genre de vie où ça devient trop facile. Moi j'aime les challenges. Et ici au Cameroun, quand tu es comme moi, que tu aimes les challenges, tu captives les gens. Ce n'est pas au niveau du sexe, ce n'est pas au niveau que l'homme et la femme. C'est pourquoi je disais, certaines personnes n'ont pas compris que peut-être le Cameroun était comme ça avant, mais il n'est plus comme ça. Il n'est plus comme ça. Ça a changé. Quand tu as 35, 40 ans au Cameroun, tu n'intéresses personne. Ce que tu vas produire, c'est le travail, c'est ta façon de faire, c'est ton investissement dans ce que les gens te voient faire. Le tout, c'est pas de faire bien. Le tout, c'est qu'on sente la volonté, ton investissement. C'est là où tu peux être captivé, tu peux être aidé. Mais tu peux pas être couché, parler du beau français, croiser le pied, j'étais. La vie, ce n'est pas j'étais. La vie, c'est je suis. Parce que le Cameroun, le monde 2024-2023, ce n'est pas le monde 2018, 2010, 1980. Non, non. Un gars qui a
correctement son argent au Cameroun ne va pas prendre une fille de 40, femme de 40 ans. Si vous le voyez prendre un grand chef d'entreprise, un grand ministre, une femme de 40 ans, sachez qu'elle aussi DG. Parce qu'ils auront des choses à se dire. Ils auront des choses à échanger. Mais tu ne peux pas être au quartier, tu es enfilé là sur ton machin en journée, croyant que parce que Guylaine Chapuis, tu te mets un cabas en soi, quand tu vas parler. Le mine n'en a rien à foutre. S'il a vraiment besoin d'une femme qui ne produit pas, il va prendre une de 25 ans, hein, qui est encore fraîche, qui est encore. Voilà, et tout, et tout. Et puis, il paye le prix. Parce que ça, c'est ce qui lui plaît. Mais il ne faut pas rêver qu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu vas venir faire la belle au Cameroun. On ne fait pas la belle au Cameroun à cet âge-là. On bosse, on travaille, parce qu'on est déjà vieille, nous sommes vieilles. À cet âge-là, malheureusement, en 2024, on est vieux. Vous avez compris, mes enfants? On est vieux. Et par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais vous prendre, mais de tout ce qui s'est passé là, je retiens quand même que Marthe Chopin, c'est une très bonne personne. Elle a un très bon fond. Vous savez ce qu'on appelle une bonne personne? Une bonne personne, ce n'est pas une personne qui a des bons caractères, qui a des bonnes habitudes et tout. Le fond de la personne. Le fond de la personne. La peur de faire du mal et tout. Vous comprenez? Pour moi, c'est là où je juge quelqu'un. Une personne qui n'a pas de limites dans sa vie finit sous les rails. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui n'a pas de limites, tu finis sous les rails. C'est dommage, mais j'ai compris que Matt Chopin, c'était quelqu'un de bien. Donc, de tout ça, c'est ce que je retiens de positif dans tout ce qui s'est passé. Et quand vous voyez les gens sur la toile, moi, je ne me vante pas. Hein. Je ne me vante pas. Je savoure tout simplement le fruit de beaucoup d'efforts. Mais Jean, vous savez, quand je suis allé en Europe, j'ai dit, quand j'ai mis mes pieds sur la terre européenne, j'ai dit, voilà, maintenant il me faut un bon père pour mes enfants. Je n'ai pas dit, il me faut un mari. J'ai dit, il me faut un bon père pour mes enfants, Seigneur. Donne-moi un bon père pour mes enfants. Tu as enlevé les miens. Donne-moi, j'aimerais voir mes enfants, papa, maman. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Il m'a donné un père que je ne pouvais pas rêver pour mes enfants. Vous avez compris? J'ai dit, donne-moi un bon père avant qu'il ne soit mon mari. Donc j'ai aimé mon mari à travers l'amour qu'il donnait pour mes enfants. Donc pour moi, la pire des choses qu'une femme puisse vivre, c'est vivre avec des enfants sans mari. Comprenez? Ne rêvez pas de ça dans votre vie. Si vous êtes marié et que peut-être ça ne marche pas, le couple ne marche pas et que vous avez fait des enfants, faites tout pour que ça marche. Là, vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour les enfants. Mais Jean, rien n'est plus triste pour un enfant quand il vit sans père. Emilie Assia, rien n'est plus triste pour sa vie, pour sa frustration. Tous les enfants qui ne vivent pas avec papa et maman, ce sont des enfants frustrés. Et c'est des enfants qui n'expriment pas leur frustration, mais qui vivent ça intérieurement. Merci beaucoup, Lydia. Merci, ma soeur. Fais tout. Quand c'est les orphelins, le Seigneur te donne la force. C'est pour ça que nous, les Africains, on a la chance d'avoir la religion, de faire la religion. Même les Blancs, mon mari est très, très religieux. Quand c'est des orphelins, ils comprennent que maman est restée seule, papa est parti au ciel.
Et ça devient, il y a un autre genre d'amour qui naît, qui vous rapproche, qui vous resserre. Vous comprenez? Si vous avez des enfants, même si ce n'est pas bon, même si le mari est comment, vous avez l'obligation de tout faire pour que ça marche. Pour vous. Pour eux. Oubliez-vous. Oubliez-vous. Mais Jean, si je me suis sacrifiée pour faire tout ce que j'ai pu faire au Cameroun, par rapport aux études de mes enfants, par rapport aussi à soutenir l'homme qui est leur père, c'est des sacrifices, hein. C'est des gros sacrifices. Parce que je n'ai pas que pensé à moi. Si je n'avais que pensé à moi, on les met dans des écoles publiques où on ne paye pas grand-chose et tout. Et je me la coule très, très douce avec mon mari. Ce n'est pas facile d'être là et toujours, c'est toi qui fais le budget, c'est toi qui dois savoir ce qu'on mange tous les jours, c'est toi qui dois faire ci, c'est toi qui... Tu es l'homme et la femme, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est trop, trop dur. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez parfois qu'il y a des gens qui disent, oui, elle s'agite, elle fait comme une petite fille. Non, mais mes frères, mes amis, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de vivre la vie de ces petites filles-là. Oui, je n'ai pas eu le temps. Donc, si vous me voyez souvent être un peu que je danse et tout, voilà, voilà. Je danse parce que je réalise que mes efforts ont payé. Vous comprenez? Je danse parce que ce n'est pas aussi le temps de danser quand il fallait danser. Oui? Voilà pourquoi Tracy Love, vous savez, quand j'ai rencontré M. Chapuis, nous avons fait 5 ans. Les enfants sont arrivés, ils ont été reconnus, ils sont entrés en Europe avec laissez-passer et tout. Donc moi, j'ai eu directement ma carte de résident à travers mes enfants. On a vécu 5 ans après. 5 ans! Avant de se réveiller un jour et dire, mais tiens, en fait, on n'est même pas mariés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? 5 ans, ça veut dire quoi? Prenez le temps de vous connaître. Ne choisissez pas. On est en 2000, on est dans un monde où nous lisons, nous avons Google, nous avons Facebook, nous avons des groupes et tout et tout. Tu ne vas pas non plus prendre n'importe qui pour épouser. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent plus le temps de se connaître. J'ai dit, je me suis mariée, j'ai signé l'acte 5 ans après ma vie sous le toit avec M. Chapuis. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle de double nationalité, je passe par là, je peux très bien avoir ma double nationalité. La double nationalité ne peut pas être attribuée à celle qui obtient les papiers à l'étranger à travers le mariage. C'est tout. Si tu t'es marié en France avec un homme qui t'a donné sa nationalité, tu n'as pas le droit de prendre une double nationalité ici. Mais si tu as pris ta double nationalité, si tu as pris ta nationalité parce que tu as eu à travers des enfants, à travers, je sais pas, la maladie, à travers d'autres raisons que tu as eu la nationalité étrangère, tu peux avoir ta double nationalité ici si tu fais la démarche. Moi, j'ai droit à la double nationalité au Cameroun. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. J'ai entendu l'autre raconter des inepties. Vous savez, je sais pas en fait à quoi ça sert de montrer aux aveugles que la couleur verte est le vert olive est mieux que le vert bouteille. Qu'est-ce que ça apporte à un aveugle? Tu ne peux pas être à la hauteur, tu ne peux pas être docteur, tu ne peux pas être machin avec des diplômes.
sans nous montrer que voilà, grâce à l'école que j'ai faite, j'ai appris que je peux créer ceci. Voilà ce que j'ai créé grâce à l'école que j'ai faite. Mais tu viens montrer plutôt devant des gens qui, devant les aveugles qui ne connaissent même pas la différence entre le vert clair et le vert foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne suis pas l'enfant politique parce que, voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, à un moment, quand on reste calme, quand on reste calme, c'est pas parce qu'on a peur. C'est pas parce qu'on a peur. Nous tous, on connaît le droit. Nous tous, on est nés, on a mangé le plantain avec l'huile. Le manioc avec l'huile chez les Zeka. Et tant que tu oublies d'où tu viens, tu ne peux jamais savoir où tu vas. C'est pourquoi, vous voyez, quand la misère attrape certaines personnes, ça les rend aigris, ça les rend méchants. Ça a l'air dans, ils se disent, voilà, je n'ai plus, je ne sais plus à rien sur terre. Parce que des personnes, si dans la vie, tu ne peux plus avoir honte, tu ne peux plus avoir des retenues, tu ne peux plus avoir de la maîtrise, c'est que tu as donné ta vie au chien. C'est que tu as décidé que plus tard, même si on me tue, je n'en ai rien à foutre. C'est pourquoi je dis, des gens qui réagissent comme ça et qui ont des enfants, c'est des gens qui n'ont jamais aimé leurs enfants. C'est pourquoi je disais au début, les sacrifices que nous faisons, c'est plus pour nos enfants, mes gens. J'ai pris la décision de vivre la grossesse de ma future future officielle belle-fille, parce que c'est ma belle-fille. J'ai décidé de vivre sa grossesse et son accouchement. Parce que je savais que c'était quelque chose d'énorme pour mon fils. C'était quelque chose d'énorme pour mon fils. J'ai décidé de vivre ça du début à la fin. Et je vous dis, il peut tout me manquer au Cameroun, sauf un billet d'avion. Je suis plus au niveau où je... Quand je vais voyager, je réfléchis que le billet d'avion. Non, je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'ai vécu cette grossesse du début à la fin, à l'accouchement. Aujourd'hui, je suis tout simplement en train déjà de finaliser tout ce que j'ai fait depuis 3 ans au Cameroun et trouver une nounou à la hauteur de ce bébé. Parce que sa mère aussi va travailler. Là, elle a une très très bonne place dans une multinationale aussi. Mais elle va faire 3 mois quand même avant de commencer. Et une nounou qu'il faut, ceci, cela, voilà. Parce que je ne supporterai pas mes gens. Oh là là. Attendez, mon téléphone est complètement déchargé. Voilà. Je ne supporterai pas. Comment ça s'appelle? Alvin. Alvin. Voilà. Attendez, je vais. Voilà. Alvin, s'il te plaît, débranche la fiche multiple. J'en ai besoin de ma chambre. Dans moi, de ma vie, je ne supporterai pas. Déjà, quand je vais voyager, je ne sais pas si on me dit que le bébé la chauffe. Vous allez faire comment? Le lendemain, je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Parce que quand je vois ces dames, j'imagine les vies de leurs enfants. Je ne comprends même pas. Je comprends. Je suis incapable de réaliser. L'amour que nous avons pour nos enfants, comment on peut être comme ça en fait? Mais genre, vous savez, il faut faire des choses aussi parfois, bien brancher aussi. Ou tu appelles Benjamin peut-être, hein, parce que je ne sais pas si tu pourras.
ici. Voilà. Il y a quoi que je peux grignoter? Hmm? J'ai dit grignoter, ne dis pas manger. Je peux grignoter quelque chose. Hmm? Les gâteaux. Il y a encore le gâteau d'anniversaire. Il y a le gâteau d'anniversaire. Il y a encore. Donne-moi un peu. Et tu me donnes un paquet de chips. Pardon. Donc, mes gens, vous ne pouvez pas être une femme sans amour. Vous ne pouvez pas être, vous dire que vous êtes une femme et vous ne débordez pas d'amour. Parce que quand nous vivons ces réactions, les réactions que nous vivons aujourd'hui sur la toile, on se rend quand même compte qu'il y a un manque, un sérieux manque d'amour. Mais genre, parce que quand vous êtes comblé d'amour, quand je reste comme ça, je croise mon pied et que je suis consciente que j'ai un homme qui vit uniquement pour moi. Même si dans les secondes qui suivent, quelqu'un m'offense, quelqu'un me fait n'importe quoi, j'ai quelque chose, j'ai cette grande chose-là qui m'amène à ne pas être intransigeante. Quand tu as de l'amour, tu as beaucoup d'intransigeance, tu es quelqu'un de tu as beaucoup de patience, tu accordes beaucoup de pardon, tu accordes beaucoup de... tu négliges ce qui a envie de te blesser parce que tu te dis si ça te blesse, ça salit l'amour que tu as et tout. N'approchez jamais quelqu'un qui n'a pas d'amour dans sa vie. N'approchez jamais quelqu'un qui n'a pas d'amour dans sa vie. Parce que l'amour façonne le cœur. L'amour atteindrit le cœur. L'amour te fait avoir des limites. L'amour te fait avoir de l'espoir. L'amour te fait travailler. L'amour te fait te surpasser. L'amour, parce que quand tu te surpasses, c'est pour avoir du fruit et faire plaisir. Alors, quand tu ne peux pas avoir cette philosophie, ben tu es foutu. Tu es foutu. Faut pas fréquenter les gens qui n'ont pas d'amour dans leur vie. Ne les fréquentez pas. Tu peux ne pas avoir un homme, mais tu as tes enfants. On a des femmes qui adorent leurs enfants, qui ne peuvent pas faire deux jours sans leurs enfants. Hmm? La tolérance. Beaucoup d'indulgence quand tu as de l'amour. Voilà pourquoi on dit une personne aigrie, c'est une personne cruelle. Ça c'est un écrivain qui l'a dit. Une personne qui est aigrie, c'est une personne qui est cruelle. Et quand vous écoutez le langage de ces personnes, c'est réel. Parce qu'une personne qui te dit, quand on s'est retrouvé au commissariat, si j'avais le couteau, j'allais te poignarder. Ça, c'est les attitudes des personnes aigries, qui n'ont pas d'amour, quand on ne t'aime plus, mes gens, vous savez, parfois il faut aller très très profond avec certaines personnes, leur rappeler qui elles sont. Et après maintenant, vous vous rincez et vous passez à autre chose. Parce que c'est des personnes dont on croit qu'elles n'ont pas ça, elles ont ça, elles écoutent. De soi-même. Oui, quand tu es gris, tu te détestes. Et la personne qui se déteste ne se montre plus. La personne qui se déteste tombe dans la dépression. Tout le monde ne voit pas qu'elle fait la dépression. Il n'y a que le corps qui sait qu'elle est en pleine dépression. Et quand tu es en pleine dépression sans le savoir, c'est les maladies des nerfs qui déclenchent.
Voilà, Catherine. Catherine, Kat. Vous savez, quand ces maladies silencieuses s'installent à l'intérieur de vous, ça vous ronge. Ça vous ronge. Ça vous... Oh, tu as coupé beaucoup, maman. Oui, apporte... Apporte l'assiette, je vais enlever une partie. Je ne vois pas les chips. Les chips, c'est dans l'armoire ici, c'est dans le carton. Faites attention aux personnes qui sont comme ça. Ou peut-être tu as lavé, tu t'es lavé bien, 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 comme le, ton mari savait que ça ne n'allait pas entre vous. Mais oui, bonjour Marthe, bonjour, 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 bonjour ma, mon ex-copine de clash, ma meilleure amie des femmes battantes. Est-ce que nous on a, est-ce que nous on a un problème ma soeur? Moi elle dit que si ça rame sur moi, je suis comme, ça rame sur moi, je crée une petite entreprise de beignets haricots bouillis. Je fais des boxes bien avec, avec le Bluetooth, la musique et tout, voilà. Alors, je mets ça dans tous les quartiers. Ça devient une chaîne. Je ramasse l'argent à la fin de... Je vais aller demander à qui. Moi, il faut pas rêver d'une vie sans se donner des efforts. Si tu veux être milliardaire, il faut que tu travailles. Si tu veux être milliardaire, tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois retrousser les manches. Parce que les hommes ne donnent pas d'argent aux femmes. Les hommes ne donnent plus de l'argent aux femmes. Même les ministres que vous... Elles racontent souvent que les ministres donnent les machins, les machins. Les ministres n'ont eux-mêmes n'ont même plus... Quand on voit même les bons de carburant qui leur reviennent maintenant, c'est grave. Ils ne donnent pas l'argent aux gens. En plus, nous sommes vieilles. Nous sommes vieilles. Il faut accepter. Parce qu'une personne qui est dans cette situation comme notre sœur, elle ne se montre même plus. Elle ne se montre plus. Pourquoi elle ne fait pas les directs? Marthe Chopin, que dès que si elle doit marier sa sœur d'Achille, elle plante le direct. Elle ne se pose même pas la question. Chapuis, c'est la même chose. Parce que nous vivons les vies, nous vivons nos vies. On n'a pas besoin de prendre un plat guide des graines pour dire que, ben voilà, vous voyez, je mange un gâteau, c'est dans un plat guide des graines. Ça n'intéresse personne. Ou bien mon sac là, il a coûté. Ça n'intéresse personne, guide des graines. Ce qui nous intéresse, c'est que deviennent les enfants et nos enfants et ceux à qui on a choisi de donner la vie. Un taxi dehors, deux motos. Et je vends mes sacs. Mais c'est ça. Et c'est ça. Vous voyez, moi, j'ai même langage que Marc. Il ne faut pas, il ne faut pas. Aujourd'hui, le travail que j'ai choisi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir, d'être soutenue par mon mari par rapport à la logistique. Il faut que vous le sachiez. Parce que la logistique n'est pas facile. Le travail que nous faisons, c'est, il faut la logistique. C'est ça. On n'est pas obligé de monter du Christian à la croix, des machins et tout, pour dire que c'est monté, c'est descendu, je suis ceci, j'étais ceci. Non, ce n'est plus d'actualité. La vie a changé. Et elle ne fera que ça durcir. La vie va devenir de plus en plus dure. Et nous ne sommes pas sûrs, merci maman, nous ne sommes pas sûrs que nos enfants auront l'énergie que nous, on a aujourd'hui de s'en sortir, de nous battre. Donc, on est obligé maintenant, non seulement, Marthe Chopin peut le témoigner, de se battre pour nous. Nous, encore, on peut se passer des chips. Mais nos enfants, quand ils savent qu'ils doivent manger son chips, à 16 heures, ils doivent avoir son chips. Mais tout, nous, on est habitué avec la misère d'avant, que voilà, s'il n'y a pas les chips, ma foi, ils boivent l'eau. Et ça ne chauffe pas. Donc, on est obligé de travailler pour nous et pour nos enfants.
Vous avez compris? Est-ce que vous êtes quand même conscient que aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de prendre la relève, c'est les enfants d'eux. Les enfants d'eux. Les enfants, c'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Si toi-même, tu ne fabriques pas ton nom, pour que ton enfant arrive quelque part, il dit, je suis l'enfant de tel. Toi, tu es là. Tu racontes des inepties qui n'ont même pas de ça. Tu perds le temps. Mais Jean, prenez un exemple. Quand vous avez l'habitude de faire du sport, faites un mois, vous ne faites pas du sport. Quand vous allez reprendre les jambes pour que ça s'adapte, ça sera très, très difficile. Ça sera très, très difficile. Mais si vous avez l'habitude de faire du sport ou vous faites un peu de sport tous les jours, les jambes resteront toujours pang, pang. Tes talons que tu portais, ça sera toujours pang, pang. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça ne rigole pas et ça ne manque pas. Donc arrêtons de montrer ce qu'on n'est pas. Parce que ça l'attrape. La dépression commence par quand quelqu'un se cache. Quand vous voyez que quelqu'un se cache déjà, la dépression est là. Parce qu'elle se refuse déjà face à la glace. Elle ne s'aime plus. Et pourtant, même quand tu es malade, même quand ça ne va pas, tu n'as pas à te cacher. Quand tu te caches, c'est que tu as rêvé une vie qui t'a tourné le dos. Tu as rêvé d'une vie qui t'a tourné le dos. Tu te retrouves là. Tu as pris un visa touristique, un visa touriste en France. Touriste, 3 mois pour une femme qui s'est mariée. 3 mois. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Mais Jean, la vie ne peut pas me dépasser. Je ne vais pas challenger un bain. À notre âge là, Marthe Chopin est témoin. Et il faut que notre soeur mette dans la tête qu'à cet âge-là, tu ne peux pas challenger. C'est tout. C'est tout. Au lieu que elle me laisse tranquille, elle se dit quand même que bon, Chapuis est parti à Etoudi. Parce que c'est l'affaire d'Etoudi qui crée tout ça. Et Etoudi, j'y serai toujours, chaque année. Avec le président Biya ou sans président Biya, parce que j'ai un cachet, j'irai tous les ans. J'irai tous les ans, ne t'en fais pas. Avec la première dame Chantal Biya, ou sans la première dame, ou la nouvelle, c'est mon cachet qui m'amènera chaque année à étudier. Tu comprends ça, non? C'est tout. Et c'est comme ça. Au lieu que tu dises que, oh, tu dis, ah, j'appuie. Au moins, une est sortie du lot. Puisque pour vous, aller étudier, c'est avoir les milliards. J'appuie. Quand tu seras en haut, comme tu es en haut là-bas, pense à nous. Mais Jean, vous ne savez pas que Facebook, c'est une famille. On va se détester que. On a quoi en. On va se détester pourquoi? Vous croyez que si aujourd'hui, là, j'ai un business. Je sais que Chopa, c'est une battante, c'est une qui peut mettre les bottes, elle entre dans la boue là. Quand elle sait qu'elle va trouver son argent, je prends, je donne à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, sachant qu'elle peut faire. Mais attends, moi de toute façon, je ne ferai pas ça. Je ne donnerai pas à une inconnue, sachant que je connais quelqu'un que j'ai suivi, qui peut le faire. Je vous parle du fond de mon cœur. Vous comprenez? Toi, tu viens créer la haine. Tu viens créer le scandale pour une visite de 1 minute 30 secondes que une femme a salué la première dame.
Est-ce que tu as vu la première dame me donner le milliard? Si oui, elle m'a donné le milliard, pourquoi? Ça ne te regarde pas. Et c'est une femme libre qui peut donner à qui elle veut, qui parle à qui elle veut, qui invite qui elle veut. Pourquoi tu ne peux pas le comprendre? Mais même quand tu vois que Matt, on se pique, nous sommes quand même des femmes intelligentes. Nous sommes des femmes intelligentes. On ne peut pas se mettre à faire comme si le jour que on se voit, genre on doit faire attention parce qu'on a peur du poisson. Non, il faut pas être borné jusqu'à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que il y a Farnam et Faksukulu, c'est deux choses. L'intelligence de l'école et l'intelligence du village, c'est deux choses. Si vous avez un choix à faire, prenez l'intelligence du village. C'est l'intelligence de l'école qui a foutu ma laine en voûte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand dans sa tête, elle sait qu'elle a le doctorat, pour elle, le doctorat, c'est l'argent. Elle sait qu'elle a le doctorat. Le doctorat, ce n'est pas l'argent. Le doctorat, c'est le papier, ma soeur. Il n'a pas le papier. C'est comme si c'est le papier. Ce n'est rien. C'est un papier qui te permet d'avoir quelque chose. Un papier qui te permet de faire quelque chose. Un papier qui te permet de faire ceci. C'est tout. Et si tu ne t'en sers pas, il est là, tu nettoies la poussière avec. Tu nettoies la poussière dessus. Tous les jours, la sagesse dépasse l'intelligence, voilà. Ton doctorat, tu vois les années passent, tu nettoies la poussière dessus, et tu viens retrouver les illettrés comme les chapuis. Alors que les nous là, on espère plutôt que vous qui avez les diplômes, viens, je tape à ton bureau, je dis, j'étais aussi souvent sur Facebook. Je sais qu'en sortant de là, tu vas me donner un bon de carburant. Et je serai fier parce que je sais que toi, tu as fait l'école, je n'ai pas fait l'école. C'est ça le problème. Toi, tu viens me dire que j'ai fêté mes 70 ans. Est-ce que... Oui, prends l'autre. J'ai fêté mes 70 ans. Toi, tu as 30 ans. Ton bilan, c'est quoi? J'ai 70 ans. Et ce n'est pas les enfants. Je suis même déjà grand-mère. Tu ne vois pas comment il me bat pour ne pas prendre la troisième canne. Je fais mon sport, je fais mon régime. Toi, je vais discuter l'affaire de l'âge avec toi. Pour que ça m'a... Ce n'est plus... Tu es au niveau très bas. Tu dis que Masque Bamoun, tu m'insultes Masque Bamoun. Masque Bamoun est à son mari. Masque Bamoun a ses enfants. Masque Bamoun a son logement au Cameroun. Et Masque Bamoun a son logement en France. Masque Bamoun a son logement en Suisse. Toi qui es top modèle. Tu as donc quoi? Surpassons ça, Mboutou. Surpasse ça. Guéris de ton mal. Guéris de ton mal. Tu te repousses les manches. Cet après-midi, je suis parti faire l'acte de naissance de mon fils. Arrivé même, ils ont dit que les registres ne sont pas encore. Tout ça. Et me suis levé. Je suis parti directement au bureau du maire. J'ai dit au maire que j'ai besoin de l'acte de mon petit-fils. Je me suis Guylaine Chapuis, machin. J'ai dit qui j'étais. Vous croyez que le combat que nous on fait là, qu'on se bat et tout, je retire mon acte demain? Oui. Parce que je sais que j'arrive, je ne vais pas dire que je suis la soeur, la copine et tout. J'ai dit je suis Madame Guylaine Chapuis. Je suis tel. Oui, je marche avec mon nom. Alors toi, tu vas dire quoi? Que tu insultes la première dame parce qu'elle a reçu Guylaine Chapuis. Tu n'as même pas honte. Tu es vraiment une petite soeur, à mon avis. Parce que toi, tu as 30 ans. Tu es une petite soeur, Malène Mboutou. Tout ce que moi, je vais te dire, c'est que, en matière de clash, tu ne me peux pas. En conclusion, tu ne me peux pas en matière de clash. Et je t'ai montré que, moi, je ne veux pas te clasher en t'insultant comme tu m'appelles Basque Bamou. Parce que je suis d'abord une très belle femme. Quand je me mets debout comme ça, je ne suis pas courte. Je suis grande.
mes cuisses ont une longueur comme ça. J'ai les longues jambes. Donc, quand je mets ma compensée avec ma nuisette, ma poitrine, si on te dit que j'ai fait 3 enfants avec cette poitrine, tu ne sauras, tu ne vas pas croire. Ma soeur, je me mets là, avec mon ventre que je travaille tous les jours là. Je suis belle. Tu m'appelles Masque Bamou. Oui, je suis Masque Bamou, mais je te dis qu'elle est ma soeur, laisse l'histoire. Là où tu es là, retrousse les manches, parce que tout ce que tu fais là, les gens ont fait ça. Les gens ont fait ça. Fundi a combattu Biya. Jusqu'à ville morte, que tout le Cameroun ferme. Le petit Fundi que tu vois là qui est sous terre aujourd'hui. Le Cameroun ferme. On dit maintenant qu'il n'y a que 2 jours par semaine pour se ravitailler. Je te renouvelle un peu tes méninges. Les Camerounais faisaient les courses 2 fois par semaine. À partir de 18h, Douala était fermé à cause d'un opposant. Il a dit qu'il va seulement aller étudier. Coucou Claude Akam. Il a dit qu'il va seulement à étudier. Quand il disait Kacham, il faisait ceci et tout. Sauf pardon, finish, SDF. C'était grave. Ville morte. On a commencé à brûler partout. Les Fundi ont fait. Bia n'a pas bougé. C'est ton petit machin de Facebook là que tu fais, tu insultes devant la caméra, que tu payes 18 euros par mois. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Tu ne réfléchis pas pourquoi? Tu ne réfléchis pas pourquoi? Est-ce que tu penses à tes enfants? Thank you Dixon. Je te dis que les Fundi ont fait. Les Bello Bouba, les Issa Chirouma, tous ont fait. Ils ont même fait le putsch qu'ils tuent le président. Le lendemain, ça, rien ne s'est fait. Le lendemain, le président Biya a fait le discours. Que les gens soient calmes. Il est là à étudier. Et vous, toi, tu es quoi? Laisse ça. Laisse ça. Tu n'as pas de vision. Tu dis que 2025. Tu vas faire quoi celui-là? Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu ne peux pas prendre l'avion maintenant pour dire que tu viens au Cameroun. Tu le sais. C'est sur Facebook là. Toi qui insultais Kamto, que Kamto est président de Facebook. Qu'il est président de Facebook. Donc toi tu es opposante de Facebook. Tu insultes Kamto hier avec les mêmes injures. Aujourd'hui tu te retrouves avec les mêmes injures. Tu l'as traité non? Tu l'avais traité de président de Facebook? Tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Nena, tu es opposante de Facebook. Tu as foutu ta vie en l'air à cause de Madame Chapuis. Pourquoi je te fous autant de pression? Pourquoi ce nom te hante? Pourquoi ce nom t'amène à demander à signer l'asile? Le nom de Madame Chapuis, le masque Bamoun. Le masque Bamoun te fait quitter le Cameroun, que tu ne reviendras plus. Tu vois pas que j'ai le pouvoir plus que toi. Regarde là comment tu t'es mis. Et aujourd'hui, imagine que tu as un enfant qui vient travailler au Cameroun. Nom de la mère, Malène Mvoutou. Tu sais ce que ça veut dire? Aucun de tes enfants n'aura de sa chance ici au Cameroun. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact. Aujourd'hui, les jeunes veulent quand même challenger dans leur pays parce que c'est moins dur et tout et tout. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais même, de ce que tu es en train de faire subir à tes enfants? Est-ce que tu te rends compte? Je ne dis même pas pour toi, tes enfants, un voodoo. Est-ce que tu te rends compte? Tu ne peux plus venir au Cameroun. Tu as un visa touriste de 3 mois. Visa touriste de 3 mois. Au lieu de tuer tout le temps que tu tues sur Facebook, tu devais encore refaire tes annonces vite fait. Vite fait les annonces comme tu avais eu joli là. Vite fait. Pour pouvoir peut-être espérer avoir un mari sur Internet dans les 3 mois là, qui te ramasse.
Parce que tu es réduite à ça. Moi, c'est le conseil que je te donne, hein, que je te clash plus. Là, tu fais même pitié. Tu fais pitié. Parce que j'avais organisé, j'ai déjà organisé. J'avais organisé, mettre la photo de ta mère. Parce que comme tu insultes la mère des gens, c'est comme ça qu'on doit aussi insulter ta mère. J'avais déjà, j'ai préparé la photo de ta mère et de son show. Que je devais faire un post et je fais une semaine là-dessus. Hmm? Tu es là, tu ne veux pas te lever, te battre pour tes enfants. Je dis que ma fille n'est pas, ma belle-fille n'est pas allée accoucher aux États-Unis. Il n'y a pas accouché aux États-Unis que le Cameroun est comment. Moi-même, je reste au Cameroun avec le passeport qui me permet de vivre même n'importe où parce que, quoi. Hmm? Comment tu peux être complexé par l'Europe, par les États-Unis? Tu es complexé par ça. Hein? Tu devrais comprendre que j'ai une autre dimension. Moi, j'ai un homme qui me sert au lit. Hein. Il commande au restaurant, ça arrive, il fait le plat bien, bien, bien. Il me donne mon entrée au lit, mon dessert au lit. Hein. Et de l'eau, il met la télécommande à côté de moi. Tu as compris ça? Il lave mes sous-vêtements, mon mari. Et s'il te plaît, c'est M. Chapi, le chef d'entreprise, hein, depuis l'âge de 19 ans. Hein. 19 ans. Merci, Bouquet. Toi, tu te lèves pour venir insulter Guylaine Chapi, ta grande soeur. Tu vois même pas que tu portes la malédiction derrière moi. Tu dis bien que j'ai l'âge de ta grand-mère. Est-ce qu'on insulte alors sa grand-mère? Hmm? Tes lèvres, tu m'insultes qu'il ne fallait pas que la première dame me reçoive. Tu ne vois même pas que j'ai l'âge de ta grand-mère. Hmm? N'a même pas honte. Insulte ta grand-mère. Hmm? Hmm? Ce qui est si ce régime tombe, elle ira au Cameroun. Céline, c'est toi qui vas le faire tomber. C'est toi qui vas le faire tomber. Le régime va tomber que Chapu est où? Chapu est où? S'il y a 1000 invoutus, il y a 10 millions de Chapu. Mets ça dans la tête. Même la France connaît ça. S'il y a 1000 invoutus, sache qu'il y a 10 millions de Chapu. Là, tu m'insultes, tu m'insultes. Tu dis déjà que tu insultes, que Chopa a Chapu et tout et tout. Nous, on est en alliance des sages. La paix des bras, l'alliance des sages. Le Cameroun a besoin de nous, comme j'ai dit à Chopa. Le Cameroun a besoin de nous. Hmm? Lui, elle m'a dit que j'ai 70 ans, non? Je vais nier quoi? Je vais nier quoi? Elle a 70 ans. Elle a 30 ans. On a bien vu tes photos de 30 ans. Même si je l'ai fait, Invoutou, je t'avais dit, tu ne peux pas me dépasser en clash. Hein? Je ne peux pas. Hein? Cette semaine, j'avais préparé la photo de ta mère et de son amant. Posté comme ça. Insulté, matin, midi, soir, 10 fois par jour. La procédure, je dois vous mettre dans un peu. Tu fais la demande. Tu fais la demande pour la procédure de nouvelle nationalité. On juge si on doit te donner ou pas. On juge. Si on doit te donner ou pas. Mais je t'attends ici. J'ai le divin mal mauvais. Patricia, j'ai le divin. Rose, je t'attends. Écris-moi si je viens à la maison. Viens, non. Tu es où? Je ne sais pas si on va faire le voir le bébé avant que je ne parte là. Ou bien si on va faire le voir le bébé quand je reviens. Je ne sais pas encore.
L'autre vient ou bien c'est toi qui viens? Tu es là au lieu de demander à Guylain Chapuis que... Ma, comme tu es déjà arrivé à Etoudi là-bas, pardon, ne m'oublie pas, parce que moi je suis une femme chiche. Ceux qui me côtoient, ils savent que je ne suis pas une femme chiche. Mais je ne sais pas dire non. Comme je suis. Et que, Loïc, hein? Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui ne sait pas dire non. Tout ce que je demande, il me donne. Moi, je suis une femme qui ne sait pas dire non. Dès que j'ai, si je peux partager, je donne d'abord au mien. Mais je ne suis pas rancunière. Tous les injures que tu m'as infligées là, toi, ça me fait quoi? Quand j'ai fini là, j'ai entré, je me couche sur mon lit de 5 millions. Sur mon matelas en plume. Je me lève et pas tremper mes pieds dans l'eau chaude comme ça dans la baignoire. Après, je quitte. J'entre à la cabine de douche. Ça me masse bien le corps. Ça me masse bien le corps. Je me gomme. Il y a le miroir. Je suis là chez moi. Et tout et tout. Si je pouvais t'envoyer la photo de mon corps, tu ne peux pas savoir que j'ai fait 3 enfants. Si je l'ai avec aucun m'insulte. Mais tu as fait quoi? Depuis quand on insulte les femmes qui ont été reçues par la première dame? Et s'il te plaît, mes gens, depuis vous êtes 166 ans. Depuis. Depuis que cette femme a déclenché, viens, je suis à la maman. Ok, ma pardon, sors les parfums, pardon. Et les logis. Sors les parfums et les logis, pardon. Ok, je vais aller au golf. Mais Jean, depuis que Mvoutou a commencé à m'insulter sur la toile, si j'étais une sapate, si j'étais une bordel. La qualité de publicité là. La qualité des gens qui m'appellent. Parce que dès qu'on va voir sur son mur, quand elle explique comment la première dame m'a salué, comment est-ce qu'elle encourageait et tout, les gens partent seulement chercher la vidéo, mes gens. Ils partent chercher la vidéo. Et quand ils voient la vidéo, maman, je vois seulement les messages WhatsApp. Message WhatsApp sur mon téléphone, Facebook, quoi. Message WhatsApp, bonjour madame. Oui, j'ai écouté une certaine dame. Je suis telle, je suis le directeur de ceci. Bonjour madame. Oui, je suis madame telle. Et tout. Oui, qu'est-ce que vous faites? Machin. Et la personne part entrer. Combien de personnes? Je ne sais pas qui doit changer ma page pour quoi? Mon compte pour une page. Hein? Il faut me faire ça. Parce que j'ai plus de... depuis qu'elle a commencé sa folie là, j'ai plus de 3000 demandes d'amis. Et moi, je n'ai droit qu'à 5000. Donc, plus de 3000 demandes d'amis. Parce que moi, il n'ai que le truc de 5000 personnes. Depuis qu'elle a commencé... Et il faut voir les profils qui m'écrivent, hein, qui demandent des rendez-vous et tout. Avec mon frère parfait Mbappé, alors c'est grave. Non, on nous a dit, on vous voit connecté, on vous voit, on voit que je partage des choses de parfait et tout. Là-bas aussi, non, on veut la voir, on veut la voir. Si j'étais Wakamejan, c'est que Malem m'a déjà donné les gars comme ça. Oui, comment on peut faire pour vous rencontrer? Je veux vous rencontrer. Mais je suis un grand homme d'affaires. Je fais ceci, dans toute la directeur de ceci, machin, énergie, ceci, dans l'Afrique centrale. Et, mes gens, ce que Mvoutou a déjà fait comme publicité sur mon nom. Mmh.
Vraiment, dites-lui d'arrêter. Dites-lui que je suis mariée, elle ne veut pas les gars. Elle veut pas. C'est trop. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que je suis dépassée par ça. Je dis que les appels, les demandes et tout. Oui, j'ai besoin de ceci et tout. Plus encore, elle a dit là-dedans que... oui, c'est la gouvernante qui m'a placée et tout. Maman! Oui, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec la gouvernante? Dites-nous ce qu'il faut, on est prêt et tout et tout. Non! Pardon. Nous, on ne fait pas le trafic d'influence. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on mange nos petits gâteaux à 16h, 17h. Parce que moi, j'ai le droit de manger ça. Hein. J'ai le droit de me faire... Parce que je brûle, hein, je brûle. Pardon. Pardon. Et qui est Florana, je te dis que ce que je vis aujourd'hui, incroyable. Ce que je vis aujourd'hui. Oui, j'ai écouté que votre mari s'appelle M. Chap, que vous êtes mariée en Suisse et tout. Vous êtes une très belle femme. Je ne sais même pas, je suis entrée dans votre profil, je suis entrée dans votre page et je me rends compte que comment on peut insulter une si belle femme, éloquente et élégante. Et j'ai regardé votre page, j'ai vu comment vous êtes soignée, j'ai vu comment vous faites... Maman! Maman! La publicité de ça. La publicité de ça. Elle dit non, madame, vraiment, n'insultez plus, ne répondez plus, parce que ça ne vous ressemble pas. Je suis allée aussi sur sa page. Elle fait toujours des directs dans le noir. Mais comment vous pouvez traiter une femme de l'aide quand vous-même vous ne vous affichez pas? Madame Chapuis, vous êtes extraordinaire. Vous êtes belle. Vous êtes soignée. Vous êtes responsable. Maman. J'ai dit pardon, papa. Je dis seulement que pardon, papa. Personne ne remplacera Chapuis dans ma vie. Et les invitations, oh. Pardon, ne prononce plus mon nom. J'ai même téléchargé votre vidéo. Il te dit beaucoup comme ça qu'ils ont téléchargé ma vidéo et tout. J'ai même mis sur mon statut et tout. Et on me demande qui est cette dame. Et, maman! Et vous tous, on peut faire la publicité de quelqu'un comme ça, ma soeur. Hmm? Pourquoi tu signes l'asile? Moi, je t'ai dit que les Bamouns ont un mauvais sang. Hein? Les Bamouns ont un très mauvais sang. Moi, j'ai un très mauvais sang. Tu comprends? Moi, j'étais la première fille. Je suis la première fille de ma mère. Et quand on a enterré ma mère, et ma mère était la première fille de mon grand-père, ma grand-mère. C'était l'aîné. Quand on a enterré ma mère, tout ce qu'elle avait, on a mis sur moi. J'ai beaucoup de charme. Un homme qui me touche ne me quitte pas. C'est moi qui le quitte. Donc j'ai beaucoup, c'est sur ma peau. Et si tu m'attaques, c'est pour ça que je ne cherche pas les problèmes. Si vous me voyez clasher, sachez qu'on m'a attaqué. Dès que tu m'attaques, c'est le déluge dans ta vie. Et vous tous, je t'avais dit. Et vous, elle va filmer la maison de la Finlande. Je t'avais dit que si tu m'attaques, c'est le déluge dans ta vie. Regarde le fait que tu m'aies attaqué. Regarde. Tu ne peux plus mettre. Tu es en train de signer l'asile politique. Hein? Tu es en train de signer l'asile politique. À cause de moi, tu ne peux plus mettre pied au Cameroun. Avec ou sans billets, tu ne peux plus. Parce qu'après Bia, ça sera Bia. Après le 25, après 2025, c'est son excellence pour Bia qui est là. Tu as compris, non? Après 2025, ça c'est la sandale que ma fille m'a gardée en décembre. Elle m'a gardée, elle est très belle, elle est en cuir. Elle est très belle. Ma fille qui m'a gardée, toi tu as insulté que je suis moche. Quand tu me vois debout comme ça, avec un grand cabas comme ça. Et plus 10 cm. 10 ou 15 cm. Je suis debout. Un voûteau.
laisse. Tu me fais de la peine. Je pense plutôt que. Je vais te dire que. J'étais traité comme il fallait. Maintenant, c'est bon. Mmh. C'est tout, Alvin. Ok. S'il est fatigué, il choisit celui qu'il met et la vie continue. C'est tout. S'il est fatigué, il nous donne ce qu'il va nous donner. Tu vas faire comment? C'est fini. La même chose qu'on t'a fait chez les franquistes, c'est la même chose qu'on va encore te refaire. Mmh. Là, je ne suis pas Wakao. Dites aux gens qui me téléphonent à travers les murs de Malin, vous direz, je ne suis pas Waka. Je ne suis pas Waka. Ma soeur, il faut plutôt que les gens là t'appellent. Là, c'est toi qui as besoin. Mais comme tu as tellement fait la pub de la vidéo là, ils savent que je suis connecté mal. Ils sont prêts à tout pour la connexion. Mais nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas là-dedans. Là, c'est pour autre chose. Je ne suis pas dedans. Oui, j'aimerais me rencontrer la première dame. J'ai vu votre vidéo parce que j'ai écouté la vidéo. J'ai écouté un passage de Mvoutou quand j'ai vu votre vidéo. Mais putain, il dit, mais madame, vous avez une dentition incroyable. Mais madame, votre coiffure était extraordinaire. Et pourtant, sur toute votre page, vous avez des perruques, vous avez des mèches, des belles mèches. Mais ce jour-là, vous avez fait des nattes, madame. Maman, vous voyez les... Maman, ça m'a fait tellement de bien. Maman, quand les gars te draguent... Rien n'est plus grave que d'être une femme qui part déjà un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, qu'on ne l'a pas dragué. Ça peut aussi causer tout ce qu'un vautour là. Mieux on te drague, tu dis non. Mieux on te drague, tu dis non. Moi, tu entends de ces mots de drague, mes gens. Hein? Mmh, frère, femme, et c'est tout de suite. Ouais, Alvin, tu parles encore quoi? C'est Franck qui est là. Sauf si le père change d'avis. Nous, c'est Franck Biya. Regarde alors que tu as déjà chié au mouvement de Franck. On t'a gâté. Tu as déjà chié au mouvement de franquistes, ma soeur. Et qui est. Mmh? Maintenant, si Franck est le prochain remplaçant, tu vois la tâche, tu vois que ça va seulement continuer. Tu as insulté sa mère. Pour cela qu'on t'a chassé. Tu vois, c'est fini. C'est pour ça que je dis, quand on est aigri, c'est dangereux. Mm-hmm. C'est dangereux, ma soeur. Pense même pas à tes enfants. Tu ne penses même pas qu'un jour on va lire son acte, on dit nom de la mère, Mvoutou Malin. Mm-hmm. Hmm? Faut que je t'amène te soigner. Tu sais que moi je suis gentille, hein? Moi je suis pas rancunière. Hein? Bon ça je suis. Hein, vous tout moi je suis pas rancunière. Hein? Moi je connais quelqu'un qui peut te faire du bien. Au point où tu es. Parce que c'est un peu au niveau que toi, mais tu peux faire le travail sur toi. Au point où tu es. Comme ça, ils ont pas manoussié. Tu écris dans une lettre d'excuse. De tout ce que tu as fait. Tu commences dans la procédure. Moi, c'est passé. Une soeur qui te parle. Que tu vas après, tu m'insultes encore. Tant pis pour toi, c'est la malédiction. Si j'ai 70 ans et que tu as 30 ans, ça veut dire que j'ai l'âge de ta mère. Et si tu insultes une femme qui a l'âge de ta mère, c'est la malédiction que tu portes. Tant pis pour toi, continue à m'insulter, c'est la malédiction. J'ai l'âge de ta grand-mère, c'est la malédiction, hein, vous tout. Depuis que Swan est né, Angela, ne ris pas. Depuis qu'Elie Swan est né, mes gens, je ne suis plus...
dans les histoires des âges. Non. Quand je vois mon bébé comme ça, là, j'étais à la mairie avec lui. Mon bébé, regardez ses habits. Les habits de mon bébé sont séchés là. J'ai dit à Loïc, j'ai supplié Loïc, pardon. Descendez avec le sèche-linge. Comme ça, je vais souvent voir les habits de Loïc, de Swan séchés là. Il a préféré acheter un sèche-linge. Donc, quand Elie Swan est ici, les habits qui salissent, ça reste ici en bas. Quand il est en haut chez lui, les habits qui salissent, ça reste là-bas en haut. Donc, c'est qu'on lave ici, on sèche devant mes yeux. Sachez que c'est ce qu'il a sali ici. C'est qu'on lave là-bas. Ça reste en haut là-bas. Parce que c'est ce qu'on a lavé. Et il a sali là-bas. L'amour. Tout ça, c'est l'amour, mes gens. C'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Moi, j'ai très mal pour ma soeur. Hein? Parce que tout ce que tu as fait sur moi, tout ce que tu as versé sur moi, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? J'ai l'argent plein ici. L'aide de mamie. Tu as compris? Ma belle moine a tout. Ma belle fobe chèque a tout. Mais man que bangbo moine bete au kill. Tout ce que tu racontes là, c'est zéro. C'est zéro, Marlène. Quand on voit comme ça, là, avec Fendi, là, à côté, on comprend. Loïc lui-même, hein? Loïc lui-même a acheté le sèche-linge, il l'a mis ici. Je vous dis, il a acheté, l'a mis ici. Maintenant, dès que les habits que l'enfant salit, ça reste ici. Pour eux, là-bas, c'est qui ça? Et qui? On se discute. On se discute. Donc dites à Marlène que hein, je lui donne ma paix. Dites à Marlène et vous tout que je lui donne ma paix. Parce que tout ce qu'elle fait là, je me rends compte que ça me valorise. Et elle, ça ne fait que l'enterrer. Et moi, le cœur que j'ai, je n'ai pas le droit de voir quelqu'un s'enterrer. Je n'ai pas ce droit. Ça ne fait que me valoriser. Parce que quand je défends la République, c'est forcément ça me valorise. Mais elle, ça l'enfonce. Ça l'enfonce. Mais j'ai besoin d'elle corps à corps. Je n'ai pas besoin d'elle à l'état où elle est. Moi, je n'aime pas batailler avec les faibles, les gens. Moi, j'aime batailler avec les gens corps à corps. J'aime les batailler avec les gens forts. Quand tu es déjà dans cet état, non. Regardez qu'elle n'arrive même pas à se montrer. Elle n'arrive même pas parce que, il faut qu'elle ait les habits. Il faut qu'il fait froid. Il faut qu'elle ait où vivre. Il faut qu'elle ait ceci. Il faut qu'elle ait cela. Et c'est l'argent. Et le game qui est en hiver, c'est la mort. Le game qui est en hiver, c'est la mort. Le game qui est en hiver, c'est la mort. Donc si maintenant je me mets encore si je continue encore à l'enfoncer, je risque d'être à l'origine d'un clamsement. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être à l'origine d'un clamsement. Angèle a dit que sa mère a confisqué son premier enfant. J'ai dit que dès que le bébé aura 6 mois, quand je pars en Europe, je pars avec le bébé. Je pars avec lui. Je ne rigole même pas. Et Loïc est d'accord. Sauf s'il change d'avis après. Parce que la qualité que Loïc est papa poule. Ah, Samba. On se discute seulement. On se discute seulement. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage tout ça. Marlène, écoute, ce n'était que. C'est vrai que être invité et saluer et adresser les vœux à saluer les. Être invité à offrir les vœux, adresser les vœux à la première dame, c'est très, très significatif parce que c'est une cérémonie très privée.
c'est très significatif. Et être devant la première dame, et voilà, que ce soit pas une personne étrangère, que toi tu essayes de, mais quand même, elle prouve que voilà, c'est pas la première fois qu'on se voit. C'est aussi très flatteur. Et sache que si c'était mon tour, ton tour va arriver. Si tu y travailles, tu peux pas tout détruire parce que c'est le tour de quelqu'un qui est arrivé. À chacun son tour. En plus, tu as dit qu'elle est de ton village, elle n'est pas de mon village. Mais sache que toutes les tribus étaient représentées. C'est ça que tu dois savoir. Donc moi, j'ai plus envie de continuer à t'écraser. Je n'ai plus envie. Moi, je pense que tu n'es pas en santé. Et je n'ai plus envie d'en rajouter parce que je suis une personne qui a du cœur. Et je suis une personne qui prend aussi des fois le temps de se mettre à la place de l'autre. Et je me mets à ta place. Ce n'est pas moqueur, hein. Ça, je suis très sérieuse. Je me moque jamais. Tout ce que je fais là, quand c'est dans la méchanceté, c'est que je joue un rôle. Ce n'est pas moi. Je joue un rôle malin. Ce n'est pas moi. Mais je joue un rôle. Je demande tout simplement que ce que où tu peux aller, moi aussi je peux aller. Mais c'est pas ma personne. Je ne me moque jamais des personnes pauvres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu comprends? Voilà. Donc, vraiment, moi je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu vas reprendre ta vie à main. Parce que tout ce que tu fais là, tu perds ton temps inutilement. Tout ce que tu fais, c'est inutile. Maintenant, tu as vu, hein, Elie Swann a reçu les cadeaux de la présidence pendant que tu clashes. Pendant que tu fais comme ça, il a reçu des cadeaux. Hier encore, j'ai reçu des cadeaux. Pendant que tu clashes. Tu vois? C'est ça. C'est pour que tu comprennes que tout ce que tu fais, c'est rien, quoi. Cherche ta part. Demande ta part à Dieu. Demande ta part. Comme Nicolas, donne ma part aussi. Comme tu as donné à Nicolas Nkoulou, donne ma part sur ça. Donne ma part. C'est ça. C'est ça, Marlène. J'ai reçu les plein de choses. Alvin, Benjamin. Ben, Alvin est où? Prends-moi le calendrier de la première dame qui est là. Non, il y a pour la première dame, pas pour Paul Bia. Pour prendre ça, pour la première dame. J'ai reçu des cadeaux pleins, des agendas, des trucs. J'ai reçu un beaucoup. Tu peux rien faire. Ma société a reçu. Ma société est répertoriée. Tu vas faire quoi? Un super beau cadeau. Regarde. Ça, ça habille tout le mur. Regardez. Regarde la déesse. Regarde. Oh là là. Regarde la déesse. Tu as vu la déesse, ma? Hein? C'est pour habiller le mur de ma chambre. Que quand je me lève comme ça, je regarde ma mère. Regarde. Stock limité. Il y a pour le président Paul Biya. On a déjà. Maintenant, pour la première dame, on va mettre ça. Et les agendas. Et les trucs. Plein de choses. Un gros carton. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Laisse, ma soeur. Laisse ça. Chapu a bien travaillé. Beaucoup travaillé. Donc.
Tu n'avais pas le droit d'insulter une personne qui n'a fait que recevoir ses invités. Tu n'as pas eu le droit de le faire. Tu as été emporté par la haine, par la jalousie. Tu n'as pas eu le droit d'insulter une dame qui a invité les gens chez elle. Et tu te dis que tu lui imposes qu'il y a des gens qu'elle ne devrait pas inviter. Non, mais tu délires, tu as déliré. Marlène, tu as déliré. Tu as vraiment déliré. Et je suis sûre et certaine que tu es dans un gros regret. Parce qu'en 2025, je ne sais pas, tu seras où. En 2025, on disait qu'on va se taper la campagne. Hein? On disait que même si on a un peu choqué sur Facebook, on va se taper la campagne en 2025. Hein? Moi, j'ai un volet bien précis en 2025 ici à Yaoundé Premier. Je vais appeler Marty Chopard. On tape la campagne du président. Je vais l'appeler parmi les gens que je vais appeler. Oui, je vais l'appeler. On tape la campagne. Oui, je vais l'appeler. Tout ce qu'elle reçoit, je lui donne sa part. Oh, ah! Tout ce que je vais recevoir, je vais donner la part de Marty Chopard. Que ce soit officiel. Et c'est comme ça. Parce que je suis comme ça. Elle mange pas seule. C'est tout. Pendant que toi, tu es là en train d'insulter les gens, insulter les gens. Quand tu ne sais pas que dans chaque chose, il y a des limites. Wakwa terbot. Amosiste. Tes premières dames, wakwa terbot. Marty Chopard elle-même, hein, tu as fait à ce qu'elle insulte Madame Ndoulou pour rien. Pour rien. Hein? Elle-même sait comment elle doit arranger ce problème. Parce qu'on n'insulte pas quelqu'un pour rien. Nous on va assainir tout. Nous on va assainir. Non, Bouquet, tu sais, celui qui ne sait pas passer à autre chose en pardonnant, en versant de l'eau froide sur l'eau chaude, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui n'a pas compris que la vie est tellement précieuse. Voilà. Dites-lui, allez lui donner des conseils. Parce qu'elle en a besoin. Quand tu veux parfois attaquer quelqu'un, il faut la tester d'abord pour savoir si vous avez la même force. Allez lui dire, c'est votre soeur, que ce qu'elle fait là, ça ne va rien changer. Et que moi, j'ai fini avec elle. Voilà. C'est pas obligé de répondre, continuer à répondre et tout et tout. J'ai déjà bien donné ma réponse. J'ai fini avec Mbutu. Et bien Mbutu a vu mon répondant. J'ai déjà fini avec elle. Allez, la vie c'est devant. Ok. Je m'en vais chez ma soeur. Tout va bien. Avant je publiais les cadeaux. Maintenant je ne vais plus publier. Je vais maintenant faire que quand ça vient, si on m'envoie 10 cartons de bar de cribi, je dis à Zouaque, viens prendre 2 cartons. Tu nourris les enfants avec. C'est comme ça. Parce que je suis la voisine du président. Je suis la voisine du président. Si on m'envoie deux gigots de bœuf, je fais quoi avec? Je coupe, je découpe, je dis à Zouaque, viens prendre tes 3 kilos de viande. Mais dans la sauce tomate ou arachide, tu donnes aux enfants. La vie même, c'est quoi, mes gens? La vie même, c'est quoi? On m'apporte 10 cartons de jus naturel, 10 caisses de machin et tout et tout. J'ai dit à Zouaque, envoie, prends ta part. Parce que je suis coordonnatrice de la brigade des patriotes pour la défense du président de la République en Europe. Et j'ai fait ce travail et c'était devant toi. Waouredi, tu as compris, non, Malem. Chaque travail mérite un salaire. Pourquoi quand j'ai mon salaire, tu pleures? Ok, allez, bisous. Hein. Je vais passer une heure de temps chez mon ami. Si je rentre, je lance un live pour vous montrer, pour vous faire voir la surprise que les enfants m'ont donnée. Mais non, Jamila, ensemble plus forte.
Si nous sommes deux là, que je bombarde, que l'autre bombarde, c'est beaucoup, c'est bien. Il y a même quoi? Il y a même quoi? Vous connaissez ce que c'est que la vie? Hein? Vous connaissez ce que c'est que la vie, mes gens? Donne-moi la clé de la... Où est la clé de la voiture? Vous savez ce que c'est que la vie? La vie, c'est quoi? Me voici qui part du golf pour aller rendre visite à ma copine à Emombo. Alors que quand je fais souvent le clash ici, je dis souvent que... Quand je fais le clash ici, je dis que si tu habites Emombo, tu ne me verras jamais chez toi. Me voici qui part à Emombo chez ma copine. Je prends celle qui est au golf ici, on part chez celle qui est à Emombo. On passe se taper un verre, puis je suis rentré à 20h. C'est tout. C'est tout. Mais j'en ai même quoi? Il y a quoi? Hein? Vous tout prenez la vie comme le... Non, maman. Quand ton cœur est même noir comme ça, que tu fais les problèmes, même les rencontres, tu ne fais pas. Hein? Parce que ça se lit sur ton visage, le stress, une personne qui a autant d'aigreur, ça te... Même si tu mets le caribou, ça ne te change pas le temps. Ça ne change pas ton temps, mes gens. Et te dis, je vous dis, quand le cœur n'est pas bien, merde. Même le ginseng ne prend plus, mes gens. Tu frottes jusqu'à ça brûle, ça ne brûle. Ça ne brûle pas, ça brûle, mes gens. Vous comprenez? C'est ça. Donne. Donne ma part sur ça. Donne ma part sur ça. Mais la qualité que le Cameroun, le Caribou, non? Vous êtes en plein mouvement aujourd'hui? Oui, je ressors là. Ok. À tout à l'heure. Ok, madame. Donne-moi pas sur ça. Yep. À quoi? Ou à quoi t'es beau? On dit que je suis en plein mouvement parce que les gens, ils m'ont pas vu aujourd'hui. Hein? Je sors, je reviens, je sors, j'étais à la mairie, je sors, je reviens. Hein? Tu es là. Je ne sais même pas si Marlène invite toi, les grandes soeurs. Je dis, je ne sais même pas si elle a les gens qui peuvent même un peu la conseiller. Ça me fait même parfois de la peine. Hein? Ça doit aussi être le genre de personne qui n'écoute pas les conseils. Hein? Vous écoutez? Vous êtes bien? 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 Vous quoi? Loïc et papa? Oui! Loïc et papa? Tu vois, parce que celle-là a dit que son enfant, l'autre est dans le mariage. Et l'autre est que. Tu ne sais pas qu'elle te dit parfois les choses pour te piquer. Hein? Est-ce que tout ce que tu dis sur les gens, c'est vrai? Hein? Tout ce que tu dis est vrai? Madame, comment tu peux insulter tous les jours? Tu veux même la bénédiction, tu n'auras même pas. Regarde comment je suis bien. Je vais prendre ma copine au golf. On va m'embaucher chez une autre. Et on va se faire une bonne petite soirée jusqu'à 20h30. Chacune rentre chez elle. On bloque ces deux, trois affaires parce qu'on est en début d'année budgétaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer.
Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On est à la veille de 2025 et tout ça. C'est maintenant que les vraies femmes se positionnent. Et nous, là, on se positionne, mes gens. On est en train de se positionner. Ce n'est pas la rigolade. Maintenant, toi, tu es là, tu fais les conneries. Tu insultes, on t'applaudit, on t'envoie les cœurs. Les gens de la basse viennent dire comment tu es cohérente. On dit que tu es cohérente. Les gens de la basse, hein, ils disent que tu es cohérente jusqu'à tu es contente parce que les gens de la basse trouvent que toi, tu es cohérente. Et après, dès que tu éteins, tu es face à ta réalité. Tu savais pas que tu avais autant besoin d'aide jusqu'à ce niveau, hein, Marlène. Elle te parle en tant que grande sœur. Hein? Comme tu dis que je suis ta mère, je te parle en tant que maman. Hein? Tu ne sais pas que dans la vie, il y a des enfants qui donnent les conseils à leur maman. Hein? Comme l'affaire de l'âge te stresse tellement. Hein? Faut arrêter tes conneries. Ça fait honte. Maintenant, nous, de toute façon, nous, on sait depuis que tu es arrivé que tu ne fais pas de là, tu ne te montres pas parce que tu n'as pas d'habit, tu n'as pas. C'est normal. Moi, je comprends. Hein? Quand tu sors du Cameroun, d'abord, même que tu arrives là, avec tous les problèmes et un enfant, les gens. Je te dis, le noir, je te dis, il n'y a même pas la lumière. Ben. Vous voyez que ça est néo, que c'est seulement néo au Cameroun. Il n'y a même pas la lumière. Ben. Regarde, dans le noir, il n'y a pas la lumière. Ben. Elle dit qu'elle est chez sa fille. Quand je serai chez ma fille dans quelques jours, moi, je vais faire le direct partout. Oh. Partout. C'est tout, ma fille sait que je suis dessus les lives. Je fais les lives partout. Parce qu'elle sait que la gueule qu'elle a par rapport à là où sa fille vit, ça ne correspond pas. C'est tout, c'est pour ça qu'elle cache. C'est là qu'on dit qu'il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vivre dans les rêves. Moi, je suis déjà à l'ambassade des États-Unis où je vais prendre ma cousine et puis on va aller à Emomba chez une amie. Et c'est tout. Maman, il fait chaud jusqu'à. Donc, vous tous, je te dépose la hache de guerre parce que ça ne sert à rien. J'étais déjà copieusement tabassé. Tu passes dans ta route, tu laisses ma route. Ma route, c'est ma route. Ta route, c'est ta route. Sinon, je ne vais plus te parler. Je vais seulement... Vous êtes témoin. J'ai dit... Je la laisse à partir d'aujourd'hui. Si Mvoutou me cherche encore, je vais étaler. Je vais poster la photo de sa mère. Et là, ça sera la catastrophe. Là, je vous avertis. Vous êtes 112. Là, chacune prend sa route. Moi, je suis à étudier. Et je ne compte pas sortir de là. Dites-lui que je ne compte pas sortir de là. Quand je suis venu ici, quand j'étais au palais de congrès, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi quand j'étais au palais de congrès? Je vous avais dit que là, je suis à 2 minutes 30 secondes du président de la République. Hein? Voilà.
le prochain endroit où je vais habiter, ça sera à moins d'une minute du président de la République. Je vous l'avais dit. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand je suis arrivé là-bas, je vous ai dit, maintenant, je vais seulement entrer au palais. Vous êtes témoin, non? Je vous avais dit ça. Que maintenant, je vais entrer au palais. Je vous avais dit. Est-ce que je suis au palais ou je ne suis pas au palais? C'est alors là où je suis en train de conclure que je ne compte pas. Je ne compte pas y sortir. Je suis déjà dedans. Je ne compte pas sortir de là. Et c'est la fin. Voilà. Gros bisous à vous. Je dois entrer dans le palais de ma cousine en face de là, à l'ambassade des États-Unis, au golf. J'ouvre le portail moi-même. Allez, bisous à vous. Hein. Je vous aime très, très fort. À tout à l'heure, quand je vais vous montrer les séquences de mon anniversaire.